Come on. Matt, Koyuki を呼んでるんだよ。All right. You gotta sing with us. Hey, 見ろよ。誰だ？日本人よ。まだ子供だぜ。Koyuki, what's your favorite song of Dying Breed? 好きな曲は何かって Moon on the water Because I have special memory Is that a Max Jork or something? C'est peut-être les deux. On va pas parler trop fort. 3h du matin. Tout le monde qui dort à côté. Il est très cruel le robot. C'est le dragon. Ça commence bizarre. On peut lui expliquer une sortie, c'est-à-dire quoi arrive bientôt. Amusez-vous la scène. On a un mec. Ouais. On a un mec au piano. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, c'est des mains. Oh, ils se font dessus.
Parce que le PlayStation a des problèmes ou c'est... C'est voulu. C'est vrai que les robots, on dirait leur robot... Je sais comment ils appellent ça. Please welcome Sean Layden. Oh, bon, on est 37, on est plus 36. Et merci d'avoir compris. Good evening, everyone, and welcome, and thank you for making the time tonight to come to church. Ça va pas être traduit. This fulfills your obligation for the coming Sunday. For those of you who need to know that. But thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. So, but no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have to tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do, it's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. Anglais. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So, without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you Gustavo Santaolalla. D'accord. Je t'ai vu voir du vidéo. On voit un mec qui joue du banjo. Merde, pourquoi j'ai regardé la conférence solo? C'est pas de conférence ou quoi? Y'a du jeu. Ah non, on trouve pas c'est fait. Ben, les autres ils ont mis un théâtre et tout, eux ils ont mis une cave. Le cadre Ubisoft par rapport à celui-là, c'est PlayStation quand même. Il mérite mieux. Bon, ok, il joue bien. Après, c'est peut-être la musique d'un jeu que j'ai pas fait. Sans doute ça va. Mon chat ronronne, j'aime bien ça. Ah,
quelque chose. Tiens, il est tard, j'ai du mal à commenter. Mais si je veux commenter un mec qui joue du banjo. Allez, 2 heures de banjo. Ben, la tour est nue qui avait pas papa de jeu, c'est tout. Et eux, c'est. Allez hop, banjo. Je suis motivé. Je croyais que c'était trop court, Ubisoft ça a été bien. Je lui ai envie de jouer. PC ça a été tellement long. Le chat! C'est fini! Ah, je sais pas, c'est pour ça qu'il est appelé. Il est quelle heure là-bas? Oh. Ah, du gameplay. Ah, ma fille de. Ouais, encore du bon jeu. D'accord. Allez, vas-y, va lancer avec. Hein. Allez, c'est nice. Ah, c'est sûr, on est loin de. C'est quand même dit qu'on. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved it gets whenever your schedule go out. Yeah. She's a. But not quite the show. Ooh. I give you guys 2 weeks until you're back together. Yeah, vas-y, on va le. She said something to you? Ça va like tourner. 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Oh, I'm here, aren't I? Dylan? Jesse? Hey, don't forget, we're leaving first light, so get some rest. Yes, sir. D'accord. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad did I smell? C'est maintenant que ça va déconner. Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh, how about that? Gross. C'est presque nul. Je pense que de toute façon, le petit village, je ne serais pas t'accepter. Ce qu'elle veut. Oh. Je sais pas beaucoup, mais ça va mal pour les après. Ah, ça va mal tourner. On lui sent que c'est hyper connu, quoi. Fucker.
Le titre va apparaître et faire. Ah, c'est ça. Ça me dit un truc. Ouais, par Naughty Dog. Ah, c'est charmant. Alors, l'ambiance me dit un truc. Par contre, le personnage me dit rien. Ils ont trouvé le corps. On ne peut rien faire. Ah, c'est gore. Là, on peut pas faire, c'est du gameplay. Hein. C'est du gameplay qui donne envie en fait. Accro. C'est un côté badass qui rend encore plus. Quand t'as un truc, tu sens que c'est bien fait quoi. Elle l'a tué, c'est cool. Kulara, c'est. Ouais, elle l'a tué, bah c'est normal quoi, c'est Lara. Tout seul, hein, en respirant un coup pendant tout le jeu. Voilà, elle a mis ça sur rien. J'ai pris quoi, deux balles? Elle court bien pour après avoir pris deux balles. Voilà, elle a déjà plus de ça. Ouais, il va être long cette conférence. Soit il y aura peu de moi je vais être long. Wolf, she came through here. Double back. Go. Va le tuer. Vas-y, couteau. T'as entendu, hein, forcément. Comment ça boitait, ça? Ça va. Elle boit plus, mais... Elle a boité.
se soigne quand même. Vas-y au couteau. T'as plus de balles. Ouais, c'est un zéro, ouais, donc il n'y a plus de balles. Tu vas faire plein de bruit. Oh, la clé a l'air bien. Voilà. Ça a quand même fait beaucoup de bruit. Mais... bah, c'est toujours pas trop fort. Hein. Ah, c'est parti. Voilà quoi. Elle va se prendre un coup de marteau quoi. Elle a au moins une coupe de café quoi. Tu le tues pas? Ah, oui. D'accord. Elle le tue. C'est quand même pris un coup de marteau. Hein. Je peux voir le nom. C'est you. I told you. Tout ça pour un bijou. They should be terrified. Et voilà. Je le savais. Je crois que j'ai pas du tout reconnu le personnage. Je les ai pas fait les ça a l'air bien en fait. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 Showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for Worldwide Studios a little later when the showcase resumes. And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was jumped into and shot right across to the studio here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here. And I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right, and there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they are everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of The Last of Us series. And I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. And I can't wait to see more of that. That was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2, looking obviously incredible. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there?
the rule number one is do no harm, right? Right. In a lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go, you know, provide backup, provide scope, you know, provide generalized, you know, advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we've been trying to do here for the last dozen years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And, you know, I mean, speaking about making fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, it's right. A celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. Right. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all, but it's all important. We take it all seriously, and New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Yes. Definitely. As someone who miraculously finished God of War with a 2-year-old at home, that makes me very happy. I will somehow find more scary, time. But okay. I will find time to get. He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids, don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. That is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation Blog shortly. We have a lot more to talk about, too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the four main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year, we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. And this year, we felt that what we really want to do is take people on a journey deep into the content, deep into the four big pillar games that we're working on right now. And get them to see a bit more about the stories you're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything from The Last of Us 2, which you just saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. But, fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months. And available in stores, and that's our favorite web-slinger. Of course. Spider-Man. Of so we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station. Then. All right, please do. Right. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues, but in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. That seems like a rush more. Get immediate access to Back in Black Naps and Call of Duty Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store.
Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. Yeah. Meredith Molinari and Ramon Russell. Welcome. What's happening? That's good to have you guys back. It's good to be back. Right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. And when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. But what we just learned here is that those maps, those classic maps, are coming to Black Ops 3 as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. So tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get an extra little tasty treat. Right, little mid-E3 supply drop for you there. That was perfect. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Oh, c'était Tris Banner, ça. Ouais, c'est Tetris. Ouais. C'est pas Tetris, ça. Ah ouais, ils en voient quoi. Comes a heartfelt story in VR. But really, who are you? D'accord, pourquoi pas. Ah oui, ça a l'air cool quoi. Bon, ça va pas durer longtemps, ouais. Ça a l'air cool. Voilà, c'était la pub. Attends, possible de parler. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation Showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really... So let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, and we can see the crowd is seated. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. They do. And we're going to take a first look at the next chapter right now. On voit plus tard, je vais pas retrouver les noms des jeux. Alors, j'ai envie de quelques styling. Vraiment au pif quoi. On the other side.
peut-être une nouvelle licence. Hein. Ah bah, c'est fini, voilà. Septembre, ouais, pourquoi pas. That was a powerful new look at Destiny 2. Oof. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess what? If you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad. But Not too bad. There's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. I think it's almost time. Should we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. Yeah. So let's check it out live right now. Après le bonjour, je suis fort de bâton. Ça peut pas être pire que le DPCR. Jeu. Je peux trouver c'est quoi le prochain jeu de passer à la mine. Bah alors là. Ah merde. Et moi ici je comprends rien à ce qu'ils disent donc je m'ennuie quoi. Ils parlent beaucoup dans cette conférence. Je vais mettre la traduction. Mais moi, je l'écris en anglais. Allez, souris. Musique. Le titre. Temple's Cross. C'est que anglais. J'ai rien vu. On va aller dans l'option. Hmm.
Nobu, come. Ah, il est en français. On fait un... Comment que je passe? Là, je suis en français normalement. Ouais, je suppose que j'aurai les sous-titres en français. Il a pas l'air mal ce jeu. Je remercie Roy pour les sous-titres. Tiens, c'est fini. Ah. Jin, you're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. On va espérer que non. Parce que soit qu'on comprend rien à ce qui se passe, soit on a un sang pourri, vous savez. We can take them. No. Remember Sago Bridge. We strike quietly. And they kill the monk. Ouais, le son est mieux en anglais. Mais... C'est bien aussi de comprendre ce qui se raconte, sinon c'est chiant. Si tu veux, tu peux venir en vocal hein, par le Discord. When he unlocked our sushi mug, I had the stuff roughly open. Please, I do not understand. Will that we, Chamagot Unami, Usmi Che Avensat, Chi Obelatno, Timmy Maria? Ah oui, tu te perds des années. Trop tard. He called reinforcements. We have to move. Elle est traduite sous titre ou traduite comme pour Bishop. Masako. Stand aside, Jin. You betrayed my family. Ouais. Run! Il y a des trucs à faire. If we fight, Mongols win. They already won. Ah, mais tu peux mettre une grand-mère, elle va te tuer. T'as aucune chance. Moi, je vais assumer les grand-mères.
friend. Give. Regarde, les gamins. C'est toi, mon cachet. C'est bien ça. Voilà, le son, ça gale. Boum. Mais tu as pas tué une grand-mère? You hear them coming? That's our enemy. En fait, si tu la tues pas, elle te tue, donc pas très grand-chose. Ah, tu peux gravement la blesser. Ou non, tu en fait. S'il la tue gravement, dans un camp ennemi, il est mort. Voilà. Des chats avec le pompier de sa case. On a même des entre. Classe, c'est bien. Oh. What the fuck, c'est bizarre. D'accord. Peut-être que les gens ils appellent ça ralenti, mais. Je me le dis ça, ok. Ça fait du ça. C'est à faire. Ça change le mini-jeu comme. Comme portail en fait. Il y a une souris. Alors, on voit qu'on les fait passer seul. Hein. Ratatouille en mode hardcore. Il va s'accrocher à un humain, il va se battre avec. Ou alors, non, c'est. Non, faut pas lutter avec la grand-mère, mais.
on est mort. Stay back, sir. I've got this. Officer, you need help? What are you doing? Get off. No. Ouais. Get off of me. C'est une souris. Ouais, j'ai deux chats. Je pense qu'il avait faim. Hein? Non. Jesus Christ. C'est Money's in my account. Always pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Tellement joué avec les zombies que. Surprised you made it this far. Les zombies sur face les fesses. Survival's your responsibility. God damn it. Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. Ouais, c'est Ah, comment ça s'appelle? Le set est sorti il y a pas longtemps. It's coming. It's coming back. Ah bah non. Ah bah si, voilà. Lui, il avait parlé qu'il allait arriver avec vidéo. J'avais dit qu'elle allait les refaire dans le. C'est tout. Une note. From Squatch Games and the co-creator of Rick and Morty. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platform stuff. This is shit. I'm the bathtub guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. Whoa. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Jesus Christ! Oh my God! Somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy. Because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. C'était étrange comme vous. Ah, qui me demande. Oh. Ah, nouveau thriller. Ah, on a déjà vu. Pirates des Caraïbes. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Jack Sparrow en joli. Wow, il est tellement beau. Là, je vais l'aimer. Tout le monde avec Harry. Là, ils font vrai. Ils auraient dû mettre ça comme trailer pour la nuit.
Oui, je sais, le son est mauvais, mais ouais. Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Zora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Get them! Zora! Oh, hey. They have come for us. Wait! Oh, no! Stop! Farewell! Arendelle is safer with me staying up here. Oh, please, go away! And the Unversed collected enough screams and sadness from those children. Did we cast? Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Censé être mort, lui. Cool. Toi aussi, tu es censé être mort. The new Seven Hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. À croire que les méchants étaient tous à la vie, en fait. Reward might be right around the corner. Hey, Axel. Huh? Hey, liking the look. Ah, c'est coupé les cheveux. Cut your hair too. Il a tellement changé. D'accord, il y a des recrues. Alors ça, c'est ça, bon trailer. Ah oh, oui, le... What? Un nouveau 2.5? Ah non, non, c'est bon. Ok. Ils ont pas montré le pack. Le pack à 200 euros avec 3 figurines. Oh, un bébé! Ouais, mais c'est dommage, c'est le dernier. En même temps, qu'il en a plus je m'intéresse au jeu, moi je comprends. Donc. On vient de voir un bébé dans une lettre, non? You can see them, right? No, but I can sense them. Want to come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. A silent, faulty feeling. Avec voyage. C'est un jeu où t'es un postier. Quoi le but? Ah, on dirait. C'est... Il transporte une personne. Ah non. Ah non, c'est un jeu ou c'est un potier.
à part déconner. Oh, c'est pas impossible. Ah, plus de colis. Ça remarque son colis. Ah, la peau de nos jours, hein, c'est tout ce que c'est fait. Oh! J'aime pas que tout soit tombé. Il n'est pas tout seul. C'est vrai qu'il n'y a plus que le mec. Non, trop collé. Quoi, le mec il marche sur une seule main? Headed into town. Et d'où elle sort la femme? Ah, je lui parle plus. The time fool fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Carillium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Mettez-nous un titre, c'est ça ce qu'on regarde, quoi. No, they're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Ah, il transporte des gens. Quoi, c'est les fantômes qui sont attirés par les bébés. Ouais, peut-être. Bizarre ce jeu. A crypto void a day keeps the time fall away. Bah oui, manger des fœtus. Ah,
Elle a l'air de l'aimer ça, hein. You're too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? Et d'où il le sort son, son bébé? Ouais, vraiment bizarre comme ça. Ils l'ont mis un moment. Ils l'ont mis un moment. C'est Ghost qui fait, non? J'ai tellement dans mes questions que j'ai pas regardé. Voilà, c'est ça. Mais t'es sûr que c'est le truc du jeu? Oui, c'est pas possible. Déjà un Neo 2? J'ai même pas fait le 1. Mais où ils l'ont... Ils l'ont expédié, hein. T'as eu un quart d'heure de... Oh, Peterman. Un quart d'heure de jeu chez nous, Mais ouais, mais t'approches pas de lui avec un hélico aussi. Tiens, y'a un ennemi qui fait de la poudre. Aussi comme un hélico. Control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Et en fait, on joue la fille, pas plus quand même. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Et lui de tuer, hein, c'est génial. Ah, énergique le jeu. Pas mal. Oh, hi Rhino. Oh, le Rhino. Hope you like surprise, Spider. Et ils lui ont laissé son armure en prison. Hey, what's your status? Me? Oh, j'aime encore bien. En même temps, de Spider-Man, il y en a tellement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils mettent tous les super méchants dans la même prison? Avec leur arme à côté d'eux. Charge him! Don't let up!
and now Scorpion are all on the loose. What's going on in the rest of the prison? Camera system's almost up. I'll give you a sit rep soon. Okay, I'll keep tracking Electro. Bon, on va voir Vader le carnage. Come on, Spider-Man. I thought this was a chase. Gotta stop this guy. Bon, il faut les faire avec une de Martin. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you. Can't stop it. But I'm flattered that you still. Bon, bah, c'est pas qui prend les sorts, c'est un côté. Qui est pas bon. Sorry, no time to talk. Okay, I got the security cameras back online. Le rouge et bleu, c'est lequel de ces armes? Oh oui, c'est pas celui d'Arman encore. Là, il est encore beau comme comme jeu. I am serious. I have to go. Some of them are heading into the city. This is nuts. Il est un peu trop fort pour un début de jeu, hein. Bah, ça va mal se passer. How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. C'est Riverton, comment s'appelle lui Ouais, c'est Riverton. En fait, nous n'avons pas besoin de faire ça si vous ne voulez pas. Je veux définitivement faire ça. Donc le mec en blanc, il n'est pas vraiment méchant. Voilà, ça s'est passé. Il va perdre ses pouvoirs. C'est la fin? C'est ça?
that was the PlayStation. Alors voilà, c'était la présentation E3. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de news de Worldwide Studios. On va avoir Spider-Man dans quelques minutes. Oh, et on a d'autres choses de quelles parler aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Ah, écoute, je suis absolument épatée. Est-ce que tu as beaucoup joué à des jeux de samouraï? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Ghost of Tsushima m'a vraiment impressionné. Les couleurs sont super. On va peut-être avoir des réponses, le jeu chelou. Ouais. Il y a beaucoup de fans qui ont attendu. Et je me suis dit, ouais, enfin. C'est super. Il y a une action par-dessus l'épaule, c'est vraiment superbe, hein, parce que c'est vraiment ça que je voudrais, moi aussi. Et toi, Ryan? Comme Meredith a dit, Death Stranding. On a plus de questions à poser maintenant. On dirait, je vais pas faire de promesses, mais on dirait qu'on a beaucoup d'illusions sur ce que... une idée de ce que va faire Sam et dans ce monde-là. Oui, et les gens, ce qui est étrange, n'est-ce pas? Donc, ça... les bébés, ça fait partie du thème, apparemment. OK, il parle du jeu bizarre. Donc, beaucoup de superbes choses. Neo Doo, par exemple. Kingdom of Hearts. Beaucoup de belles choses. Et on a... On dit bien Neo Doo. Le jeu de Remedy. Control aussi. Très, une bonne annonce très, très stylée. Et ça me rend curieux, je veux en savoir plus. Il y a comme on dirait des sorciers ou je sais pas quoi. Vraiment très beau. Mais toujours bon de Remedy. Mais moi, mon préféré, c'est Spider-Man. C'était superbe. On a donc ces vilains, Rhino, Electro, Vulture, tous ces méchants qui reviennent. Ouais, Spider-Man n'était pas en bonne compagnie, hein, c'est ça. Alors, on va aller voir du jeu en direct dans quelques instants. Et on va prendre un moment pour annoncer un nouveau jeu. Ouais, on va faire ça, ok. Voilà. Alors, vous connaissez From Software? Oui, alors ils ont créé beaucoup de jeux et ils ont été occupés à créer un jeu de réalité virtuelle. C'est très très intéressant. J'aimerais voir maintenant en direct la vidéo. Ah ouais, carrément. Je pense que je devrais faire une vidéo sur ce qu'on sait déjà. Aren't you excited? You're going to be a fairy. And live in the world where time stands still. Ça fait un an que j'ai précommandé. Where nobody can see what you're up to ever again. Oui, donc c'est pas fini en fait. Ah, on a que 6 bombes sur la ville que vous avez dit. Peut-être un peu de mars. Bon, il y a une rumeur qui dit qu'il y aura Star Wars. C'est bon, c'est une rumeur. Ça va être calme comme jeu, ça. Ça peut pas être aussi bizarre que des bazar à quel début. Okay, Déraciné, that's the... Alors, Déraciné, c'était de From Software, ça s'en vient. C'est très artistique et on n'en connaît pas encore beaucoup sur le déroulement du jeu, mais vraiment un beau début, quelque chose d'attirant. Alors, maintenant,
on va passer à Spider-Man. On a déjà il veut son Peter Man. Hein. Bonjour, alors je suis très heureux de vous voir. Merci de nous accorder votre temps. Et bravo. Bravo pour le Spider-Man. Ouais, c'est surréel. Ça fait longtemps qu'on y travaille, alors on est content d'être ici. Et les gens voulaient des vilains, alors on leur en a donné. Ah ouais, là, ouais, j'ai tout dit. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut jouer en version jeu ouvert? Et oui, ça s'en vient à New York. Ouais, alors on va monter la démo ici. C'est l'une des premières démos jouables que vous avez. Ouais, ouais, enfin, en effet. Le jeu, c'est bon. Parce que l'année passée, on se disait, non, est-ce que c'est linéaire ou pas? Alors, on s'est dit, non, on veut s'assurer que ce soit pas, pas pareil. Alors, on veut vraiment voir. Vous pouvez vous promener dans la ville de New York et vous amuser. C'est vraiment un jeu ouvert. Un jeu à monde ouvert, pardon. Ouais, un jeu ouvert avec plein de méchants. C'est parfait, hein? Bon, Adam fait un très bon travail là-dessus. C'est vraiment très beau. Vraiment très bien fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Ben, c'est surtout que Spider-Man se promène dans New York et il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire dans ce monde-là. Et on veut donner aux gens, aux gens qui sont au E3, l'occasion d'expérimenter ça. Alors, c'est vraiment une expérience superbe avec le monde des super-héros et qui se passe, bien sûr, à New York. Ouais, mais c'est une aventure maintenant. Joueurs, de nos super joueurs. Et donc, il nous montre des belles choses ici. On voulait avoir vraiment quelque chose qui demande une bonne maîtrise. On en parle depuis longtemps dans ce jeu-là. Ouais, alors sur les murs, tout ce qu'il y a par terre, tout ça, c'est super. Oui, vraiment, ce qui était super depuis les derniers 6 mois, chaque semaine, je me suis dit, bon, je vais jouer. Et je me dis, ah oh non, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Il y a vraiment un sens de la découverte là-dedans. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est grand. Donc, c'est pas seulement à propos de la mécanique. On veut vraiment les gadgets, le pouvoir de son habit, beaucoup, beaucoup de différentes choses qu'on peut maîtriser, vraiment qu'on peut découvrir. Je pense que si on va vraiment c'est là-bas. C'est superbe, les animations. Qu'on n'a pas comme carte, ça c'est fait. C'est vraiment génial. Wow, votre studio est très renommé pour l'animation. Est-ce que vous avez beaucoup appris de vos jeux précédents? Oui, oui, oui. Je pense que l'animation, c'est vraiment ce sur quoi on se concentre dans notre compagnie. Il y a Spyro et d'autres jeux dans lesquels c'est. Je crois qu'on n'a pas vu Spyro. Quand on a eu les revues de. Les avis sur Sensitive Overdrive. Il y a quelqu'un qui a commenté là-dessus, justement, qui a dit que l'animation est vraiment exceptionnelle et c'est notre mentalité. J'espère qu'on l'aura pour les tombes. On injecte vraiment notre personnalité là-dedans. Mais aussi, bien sûr, on se demande qu'est-ce que les gens veulent comme expérience. Et dans la dernière année, voilà, on a parlé beaucoup de ce que les gens veulent dans Spider-Man et. C'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé, c'est d'avoir quelque chose comme quelque chose qu'on peut vraiment faire avec fluidité. C'est amusant juste pour se promener et faire toutes sortes de choses au fond. Ouais, exact. Vous pouvez beaucoup expérimenter avec ça et parfois. Ouais, aussi. Ah, on peut aussi prendre une pause, remarque. Mais ils moi, ont parlé que j'avais rebooté. Je fais pas d'image encore. C'est presque thérapeutique. Et je voulais jamais jouer à d'autres jeux. Parfois, je faisais juste me promener, en gros. C'était plus naturel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut ben vraiment oui. faire. Là-bas, il me plaît tout le temps. Le combat, on demande vraiment un niveau de maîtrise
Attends, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, je pense qu'il a montré un truc particulier. On peut prendre quelque chose. Ouais, mais il en manque plein de jeux à ce qu'on a mis. On peut le relancer, mais on peut aussi l'attacher à un ennemi. Et voilà. Ah, bien. Super. Et qu'est-ce qu'on voit comme graphique là ici? C'est pour mesurer la guérison en fait. Ce qu'on voit. Ouais, on a travaillé très fort là-dessus. Ah, voilà, alors la barre de focus. On peut alors se guérir. Ou. On peut faire différentes choses avec ça. Donc, à mesure qu'on joue, on peut attendre. Ou on peut faire un gros move pour tuer quelqu'un. Il y a aussi le. Alors, le reset qui t'avait parlé de faire. Maintenant que ça fait 8 ans que t'es sous le masque de Spider-Man. Une question. Est-ce que ça a changé beaucoup le costume? Non, pas du tout. Et le style de combat, oui, on a accès à beaucoup de technologies et de techniques, mais comment est-ce que vous équilibrez ça? On ne veut pas donner trop d'options aux joueurs. Ouais. C'est vraiment notre équipe de conception de combat qui se penche là-dessus et. Et c'est difficile, effectivement. Elle traduit bien, quoi. Ah, j'espère. On peut. Bon, ok. Un coup de poing, un coup de pied, ensuite l'étoile, et le gadget en plus, et le costume. On apprend avec le temps. À E3, on veut que vous soyez capable d'approcher ça rapidement, bien sûr, mais. Il y a aussi c'est des commentateurs qui parlent dans le vent parce que ils se coupent entre eux. D'apprendre ces nouvelles habiletés-là, donc on les ajoute peu à peu. C'est vraiment très beau. C'était spectaculaire avant, mais ça l'est encore plus maintenant. Ça a vraiment été raffiné. Oui, c'est vraiment ce qu'on a fait dans les derniers mois de la conception. Ouais, c'est fluide en plus. Exact, là, beaucoup plus récents jeux ont vraiment des animations d'un autre niveau. On est très très honorés d'être ici et on sait que les gens ont des attentes assez élevées et on veut bien sûr satisfaire leurs attentes. Ouais, elle fait ça bien. Et puis les fans de Marvel veulent avoir une expérience comme ça parfaite. Oui, ok. C'est les commentateurs qui. Qu'est-ce qui que un peu vite, quoi en fait. Ça a l'air pour vous de voir en fait. Votre jeu après avoir passé tout ce temps à la concevoir? Moi je pleure beaucoup, je pleure facilement. Et. Vous devez le mettre en. Il joue en description. La chanson thème et. Fouf! C'est tellement cool de participer. Là-dedans et de travailler sur quelque chose que t'aimes vraiment, quelque chose qui te ramène tes souvenirs d'enfance, c'est absolument surréel. Est-ce qu'il est fidèle, le Spider-Man? Travailler sur ces jeux-là et travailler avec les gens de Marvel et les gens de Sony, c'est tellement, tellement génial. Alors, je suis très très fière. Les gens de Sony, Marvel et les fans, je pense qu'ils sont très contents. Ouais, j'adore l'accent québécois. C'est incroyable, absolument incroyable. Je suis absolument estomaquée. Regardez ça! Waouh! Enfin, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, t'es un vétéran de l'industrie et je sais que c'est un rêve. Alors, je suis heureux que ce soit réalisé. Merci beaucoup d'être passé. Spider-Man est tellement cool que je sais même plus quoi dire, je pense, maintenant. Mais cette. Je pense qu'un peu avant, on a eu une vidéo de l'expérience qui se passe avec Spider-Man. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui se passe au kiosque sur le site de E3. C'est à une échelle qu'on n'a jamais vue. Il y a des gens qui jouent, beaucoup de séances concrètes avec les gens qui jouent. Et c'est vraiment superbe. Ah, je la connais, tiens! Je connais cette fille-là. Ouais, c'est des fans de jeux qui sont là.
c'est vraiment un superbe événement ici au E3 et j'aimerais que tout le monde puisse être ici et puisse essayer ce jeu-là avec Spider-Man. Ah oui, j'ai vécu un petit peu au Canada, ça va, c'est un peu l'accent. Aussi. On va parler de Ghost of Tsushima. Ah, le jeu qu'on n'a pas compris. Effectivement, il y a des gens, d'autres gens qui vont se joindre à nous. Nate Fox et Jason. Salut, merci beaucoup d'être ici. Alors, je suis heureuse que vous soyez là. Est-ce que je peux vous demander... De partir, allez hop. On parlait avec les gens d'Insomniac. Qu'est-ce que c'est pour vous, en tant que concepteur, de faire partie de tout ça? C'est étonnant. On essaie vraiment fort de faire un jeu de vidéo où on peut se perdre. Et d'arriver à E3, on voit où ils bâtissent ces jeux-là. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Oui, c'est étonnant. Les gens sont excités. On voit tous les autres projets. Tout le monde est vraiment tout excité de tous les jeux qui sont là. C'est vraiment ce moment-là où on voit que c'est fantastique. Et oui, on devrait montrer ce moment-là, justement. On a un peu on a un petit film ici. On va pouvoir vous montrer. Par hasard, oui, un peu. Mais donc, ce jeu-là, tout d'abord, c'est un très beau jeu. La direction artistique, c'est vraiment exceptionnel. Et aussi, l'aspect technique, sa sophistication. On va voir ça dans une minute. Ah, voici. Alors, c'est une scène de combat ici. On a certains points saillants de la présentation. Regardez. C'est beau. Je peux pas utiliser d'autres mots. C'est... Nate ou Jason, peut-être que vous voulez répondre. Dans ces moments de jeu ici, on dirait qu'il y a des petites choses qui agitent comme d'un film de samouraï classique où on est vraiment concentré sur l'expérience du joueur, le visuel, la musique, tous les éléments s'harmonisent. Ça doit être vraiment très intentionnel, j'imagine. Oui. C'est un orchestre. Il faut prendre tous ces éléments et même l'attaque d'ouverture avec l'œil, c'est de bâtir à l'avance, avoir la musique dramatique à l'avant. Et c'est ce qui fait que c'est très puissant. Et comment est-ce que vous coordonnez tous ces systèmes? On a des équipes, on a beaucoup de disciplines, des gens fantastiques qui travaillent là-dessus. Mais vous regardez beaucoup de films de samouraï aussi, n'est-ce pas? Oui, en effet. Oui, tout à fait. Il y a ce calme avant la tempête, c'est clé pour ce genre-là. Alors, il faut essayer de rendre ça réel en jeu vidéo. C'est notre but. Et l'authenticité, c'est très important pour tout le studio, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez parler un peu de ça, certaines étapes que votre équipe doit accomplir? On est dans une bonne position parce que il y a Sony, J-Studio, on a... un CEO qui est très puissant, on a des gens de la culture. On est dans une position vraiment unique. On a toutes sortes de gens qui nous aident à créer ceci. Donc, cette scène ici, ouais, c'est vraiment une scène exceptionnelle. Est-ce qu'on peut parler un peu peut-être de comment vous faites vous approcher le jeu de l'épée? Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, là, parce que le jeu est en développement, mais parlez un peu de cet élément. On veut la précision létale. Il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est perdue. C'est très... des experts qui sont bien formés. Et donc, chaque coup peut mettre fin à une vie. Donc, il faut que chaque coup compte. Et maintenant, on permet à ces personnages de se marcher en cercle, de se parler, parce que c'est pas juste... une attaque, c'est une étude. On a demandé à des experts de nous aider. Peut-être votre équipe a passé 400 ans pour essayer de faire juste cette scène unique. Et je voudrais que l'auditoire se rappelle de ça, c'est que chaque feuille, chaque flamme doit être placée manuellement par quelqu'un, à moins que vous aviez une grande machine d'intelligence artificielle. Mais non, à créer ces beaux moments. C'est toute une équipe, le combat létal. Et si c'était le but, que ce soit beau aussi, que ce soit un combat viscéral. C'est fantastique que vous soyez ici. Ici, on a encore quelque chose, deux, trois petits trucs à vous présenter. Alors, merci d'être venu, d'avoir fait partie de notre présentation. Ghost of Tsushima, donc, va être très impressionnant. Il y a toute une expérience ici pour les gens. Et donc, à notre showcase, on va vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe, les gens qui s'en viennent.
Donc, je connais certaines de ces personnes. Encore une fois, c'est l'époque où, un peu plus tôt, quand on a eu l'intermission, on devait avoir un peu laisser aux gens le temps de passer d'une expérience à l'autre. Donc, vous voyez ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, c'est très spécial, c'est intime et c'est beau. Oui, très, très beau. Très, très beau, les passages, les transitions. J'aimerais ça qu'on puisse ouvrir les portes pour 10 millions de personnes qui puissent tous en faire l'expérience. 10 millions, je pense que ce serait peut-être un peu trop pour nos installations. Et peut-être que oui, le service d'incendie aurait des problèmes. Mais donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'espère que ces scènes vous montrent un peu qu'est-ce qui s'est passé à notre showcase PlayStation E3. Et oui, on a vu quelques autres personnes qui se sont infiltrées. Encore une fois, oui, encore une fois, pour parler, entre autres, de ces interstices qu'on a vu pendant notre showcase. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter E-Molecule avec des habits qui ont dans les mêmes couleurs. Oui, merci, en effet. On a le plaisir, donc, je veux donc souligner, et corrigez-moi si je fais erreur, mais juste ces petits interstices ont été créés dans Inside Dreams. Donc, oui, on savait pas ce que ça allait, on allait montrer au niveau du jeu. Donc, nous, avec Resident Evil, on a un peu joué de la trompette. Resident Evil et la trompette, c'est comme un bon jumelage de vin. Oui, en effet, on avait le batteur orange et on veut donner des noms à nos petits monstres. Oui, c'est amusant parce qu'avec ça, c'est très rapide, cette création de ces petits jeux. C'est tellement l'opportunité de faire quelque chose de vraiment amusant pour la conférence de presse. C'était comme vraiment une bonne introduction. C'était musical. Oui, c'était quelque chose qui pouvait montrer l'aspect jeu amusant. Taquiner aussi un peu. Oui, et ça a été donc c'était très agréable de se nettoyer le palais entre différentes scènes avec vos petits interstices. Et donc, pour le mode créé, vous travaillez là-dessus? Oui, on montre ça ici à E3 parce que c'est très excitant. On a ça sur le plancher. Les gens peuvent en faire l'essai. Avec Dreams, on peut créer n'importe quoi. Vous pouvez créer des jeux, des films. C'est toujours oui, la réponse à cette question. Et plus tard, on va avoir de la musique en direct. Et donc, est-ce que vous allez jouer vous-même de la musique en direct? On va vous montrer ça un peu, notre groupe électronique de molécules. D'accord. Et donc, on va créer les outils. On va utiliser les outils de création pour avoir un spectacle de musique en direct. Et je pense que les gens qui sont là dans le jardin n'ont même pas réalisé que ça allait être présenté. Donc, c'est je veux aussi juste souligner que les films que vous voyez à la maison, la nature transparente ici de Dreams, ça ne peut pas être trop mentionné. Et c'est très facile. Si vous ne pensez pas que vous êtes un créateur, un concepteur, si vous avez déjà joué des jeux, vous pouvez faire ça ici. Si vous pouvez jouer un jeu de plateforme, vous pouvez créer ici votre propre jeu. Vous pouvez le télécharger, partager des niveaux exceptionnels en 10 minutes. On a fait une démo cette semaine. On va créer des jeux dans 20 minutes, y compris la musique. Vous pouvez composer votre propre musique, vous pouvez faire des voix, tout se fait par PlayStation. Et pardon pour interrompre, mais est-ce que ce sont deux personnes ici qui jouent à la fois? Oui, oui, tout à fait. On peut avoir deux contrôleurs, on peut les jumeler et c'est fantastique parce qu'un peut faire un test alors que l'autre va ajuster les sauts, etc. Mais j'adore Dreams. Oui, merci beaucoup. Et donc, l'idée ici, c'est ce que vous voyez, c'est vraiment cette nature très facile. On choisit puis on place. Parce qu'une des choses, parfois, que les gens sont un peu intimidés d'avoir un canvas vierge, mais avec Dreams, on a le choix. Chaque jour, les gens font des choix, les vêtements, les affiches qu'on met dans sa chambre. Mais Dreams, c'est comme ça. C'est la même chose, l'effet Instagram. On peut rapidement changer les choses, on peut ajouter sa marque personnelle. Et oui, et tout cela, c'est téléchargé et on peut se servir sur son sofa et vraiment avoir du plaisir. Et donc, avec PlayStation 4, ça permet cette création et on peut, on ne sait pas ce que ça va être à la fin, c'est ce qui est excitant.
Donc, on va commencer à voir un peu la créativité de PlayStation et de ces jeux, ce que ça veut dire pour Dreams. Donc, c'est ça, on a un bêta qui s'en vient cette année, oui, tout à fait. Et je l'ai dit déjà à propos de Dreams, dans mes 20 ans de l'industrie, je n'ai jamais vu rien de comparable. Oh, merci. C'est novateur, progressif et juste peut changer la donne. Donc, félicitations. Oui, ça a dû être vraiment un travail énorme, un travail d'amour. Oui, c'est Molécule, en effet. Et merci à l'équipe, en effet, parce que l'équipe chez nous a vraiment mis leur cœur et leur âme là-dedans dans Dreams pour que ce soit au point où on passe dans ces disciplines différentes. Et maintenant, on a un studio qui travaille vraiment bien ensemble avec des musiciens et de l'animation. Donc, je pense que c'est une des choses qui vraiment nous démontre un flot de travail différent. C'est une chose où on voulait vraiment très bien réussir. Et donc, les gens créent toutes sortes de genres de jeux et parfois, on a une toute nouvelle façon de jouer. C'est ce qu'on voulait faire. Oui. Et on a des aventures, nous, qu'on présente. Oui. Ah, c'est étonnant, en effet. Et on a vu la communauté, ce qu'elle a fait avec Big Planet. Et maintenant, imaginez si vous aviez tout simplement... vous avez un Google Plex, vous multipliez la fonctionnalité et là, oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est incroyable. Oh, c'est pas je veux encore vous remercier tous les deux et félicitations. Merci de nous avoir reçus. Et donc, j'ai bien hâte de voir la suite. Oui, restez à l'affût. Oui, on va en entendre parler davantage. Et je pense qu'on avait quelques jeux de réalité virtuelle, n'est-ce pas? Oui, on avait Trevor Serves, Universe, ça a été annoncé. On a eu Tetris Effect, qu'on a aussi parlé un peu plus tôt, et beaucoup d'autres choses vraiment excitantes. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la VR, réalité virtuelle. C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de la VR. Oui, c'est ce qui est tout bizarre. Non, Tetris il est en VR. Pareil. Je crois ça que mes lunettes de VR... Elle passe pas dedans, quoi. Dans un casque qui fasse tout ça, quoi. Ah, Nicole, dis le Mac, on fait PlayStation. Star Trek. Ouh, c'est Star Trek. Et arrive en vrai. Oh, c'était mes filles ça. C'est Hot Bazar. Il est ultra cher le casque VR. Donc c'est juste un petit aperçu de ce qu'on va avoir dans la réalité virtuelle PlayStation. Et donc Creed, Rise to Power, un jeu de boxe avec deux mouvements. Donc une expérience les plus intoxicantes que j'ai jamais vécue. C'était un peu comme la boxe était parfait pour la réalité virtuelle parce qu'on peut se pencher, ainsi de suite. Dire un petit allô à Bathtub Guy, le petit gars dans le bain. J'espère que le 7-1-1, ça va être populaire. Ouais, rappelez-vous aussi que plus tôt dans la semaine, on a vu un peu Days Gone.
et donc c'est le 22 que ça va être lancé. Et donc ici, ça prend une armée pour créer l'expérience qu'on a ici ce soir, et donc pour les gens de la presse et de la communauté. Donc je veux en parler un petit peu. Et en fait, plutôt que d'en parler, je vais tout simplement le montrer. On a une bonne vidéo qui montre comment tout a été mis en place. Ça peut être intéressant de savoir, en effet. C'est vraiment un aperçu ici de ce que ça a pris pour créer cette expérience ici. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont regardé. Mais nous, on a fait juste commencer. Il y a beaucoup d'autres choses à venir cette semaine. On est ici à notre showcase. On vous montre un peu ce qui se passe. Et demain, on s'en va au centre des congrès de LA avec le vrai IE3 qui va commencer. Et donc... ça va être PlayStation Live de E3, la chose sur laquelle tu as travaillé. Je ne savais pas quelle réponse je devais donner. Et donc, vous avez beaucoup de très bons jeux. Ils préparent leur réponse. Et donc, pardon à toute l'équipe, mais j'apprécie toute l'aide. Donc, à partir de 11h Pacifique, c'est mardi, on commence notre grand événement PlayStation Live. Et voici un peu l'ordre du jour. On va analyser ça. Et donc, il y a Spyro, entre autres, et Concrete Genie, j'ai hâte de voir ça. Et plus de Spider-Man, Kingdom Hearts, Resident Evil 2, c'est étonnant, n'est-ce pas? Oui, c'est quoi, c'est les jeux qui peuvent tester ou c'est les jeux qui vont montrer? On va regarder encore une fois un peu certains de ces jeux plus en profondeur. Et donc, ça va se terminer avec encore plus de questions. Et regardons un peu mercredi, qu'est-ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup de choses. Ça commence avec la réalité virtuelle, beaucoup. Donc, à 10h, heure du Pacifique, mercredi, plus d'une heure de contenu réalité virtuelle. Oh, super durcisse. Et donc, il faut que les autres soient prêts parce que ça va aller vite. On va parler de Tetris Effect, Ghost Giant, Creed, Vacation Simulator. On va parler de... Oh, ça, c'est amusant. Firewall, Zero, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour le reste de la journée, jusqu'à 5h, on a beaucoup de jeux exceptionnels avec des entrevues et beaucoup d'autres choses pour les gens qui regardent à la maison. Vous pouvez continuer à regarder live ou vous pouvez aussi utiliser Twitch. Et YouTube, etc. Je vous donnerai pas toute la liste. Il y a plein de façons de regarder. Donc, revenez. On vous invite. Il y a beaucoup de choses encore demain à partir de 11h du Pacifique. Et pour ceux qui nous avaient regardé ce soir ici, que vous soyez au showcase, à la maison, au téléphone, dans une salle de théâtre, aux États-Unis, Amérique latine, Canada. Merci énormément de nous avoir écoutés. On vous verra demain. Parce que c'est fini. On a entrevu Spyro. C'était une bonne conférence. Quand tu comprends ce qu'ils disent, c'était une bonne conférence. Au moins, on a eu du gameplay. C'était Jam Young Force. Je vais pas parler non plus. Mais là c'était bizarre. Attends, on était jamais appelé. Wow.
ouais, les traductions ont fait du bien. Elles sont bien traduites. Ah, oh, mais ça, c'est Little Mac, hein. Ça a été pompé à mort. La femme qui mangeait le fœtus. Kim devant. Il est tellement beau. On peut comparer Jack Sparrow du bio. Pas qu'une fois c'est une Nintendo comme la faune ils ont présenté Zelda quoi. Mais non là je pense que c'est. Quand tout le monde s'est levé, alors ah, non, pouf, Zelda. Bon. Ouais. Moi bon, je peux dormir demain, j'ai rien à faire. Il est à 5h du matin quoi. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se voit ce soir pour Nintendo. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Et du coup ça fait court là. Tu dis